Allez, salut le monde, c'est Azric Piracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 55 de notre aventure 100% sur The Super Mario Galaxy 2. J'espère que vous allez bien, évidemment mode reloaded comme d'habitude. Souvenez-vous du coup dans l'épisode précédent, on avait tout simplement... Alors qu'est-ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent? Il me semble qu'on avait continué notre monde... Oui, on avait continué notre monde 4, c'est ça. On avait fait le fameux fruit et biscuit, une connerie comme ça. Donc les mystères et non, voilà, insondables du cosmos comme d'habitude. Et donc aujourd'hui, on va continuer, il me semble, ce monde 4. Alors je crois qu'il n'y a pas de comète farceuse, si je dis pas de bêtises. Bon, on va aller voir, de toute façon, on va aller voir. Mario, une lettre à la princesse Peach vient d'arriver. Cher Mario, des années-lumière nous séparent alors qu'il aimait tout va bien et je sais que nous nous reverrons bientôt. PS, si je vois un petit quelque chose, j'espère que ça sera utile, signé Peach. Merci. C'est gentil. 5 champignons One-Up sont joints à la lettre. Sniff, la princesse trouve le temps de s'occuper des autres malgré ce qu'elle doit endurer et quelle noblesse. Merci d'utiliser les services de Toad Factor. À la prochaine. Merci. Bon, du coup, vous savez ce qu'on va faire en priorité, comme à son habitude. On va récupérer des fragments étoiles. Ça au moins, dites-vous que sans ça, on a... je crois qu'avec ça, on... enfin à chaque fois quand on fait ça, je pense qu'on en a déjà obtenu au moins une, on presque un millier déjà, à la force. Tac 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 tac. Et là, voilà. C'est parti. Allez. Quand il veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Bon, du coup les amis, alors normalement, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de comète farceuse. Hein. Bon, on va aller voir de toute façon, vu qu'on va faire du monde 1 au monde 2. Enfin, je sais plus, on va voir de toute façon. Comme à son habitude, on récupère des petits fragments étoiles. Voilà. S'il y en a qu'un, là il y en a deux trucs comme ça, voilà. Donc le monde 2, en fait, il me semble qu'il manque plus que... Voilà, il manque plus qu'un truc ici, qu'on ne peut pas faire pour le moment. Le monde 3 ici, il nous manque deux choses qu'on ne peut pas faire pour le moment. Bon là par contre il n'y a pas de fragment étoile. Ah si, il y a quand même une comète farceuse, j'ai rien dit. Ah oui, d'accord, j'avais oublié. Donc c'est le monde dans le monde des titans. Ah oui, parce que souvenez-vous, dans l'épisode précédent on avait fini le succulent mystère, voilà. Et du coup bah, on va s'attaquer à la comète farceuse du monde des titans hein. On n'a pas le choix hein. Alors qu'est-ce que ça va être? Je ne mentionne même plus ici ce que c'est. Comète farceuse repérée. Hop. Un parcours colossal contre la montre. Un parcours colossal contre la montre. C'est ce qu'on a fait dans l'épisode précédent, non? Ah, d'accord. Oh, mais en contre la montre cette fois-ci, d'accord. Bon, ça, normalement, il devrait pas avoir de problème. Yes. 2 minutes 30, ok, d'accord. Super. Je pense qu'on a le temps de récupérer les pièces et les fragments étoiles. Tac, voilà. Alors là. On ne panique pas. Oh putain. Allez. Merci. Ah, parce que finalement on n'a pas autant de temps que ce que je pensais. Allez. Merci. Tac. Let's go. Alors, ça, on commence à connaître. Alors, normalement, si on peut enchaîner les trois d'un coup. Hein. Deux. C'est bon, on a enchaîné les trois d'un coup. Allez, il manque presque une minute là. Bon. Tac. Voilà, il nous manque une minute. Heureusement, on n'aura pas le temps pour ça. Tac. Quand on peut limiter la casse au niveau des pièces, on le fait quand même. D'accord, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est parti. Hop.
Voilà, quand on a un peu de temps comme ça. Alors on a 30 secondes, on peut y arriver en 30 secondes. Honnêtement, on peut facilement y arriver. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et voilà. Et finito. On a réussi. On a réussi. On a fait ce qu'on a pu avec les fragments étoilés et les pièces, hein. Mais bon, c'est le genre de challenge où on ne peut vraiment pas faire. On peut pas vraiment pas prendre notre temps, donc. Et voilà, 55. Merci Galaxy, terminé. Des fragments étoiles. Ok, et des petites pièces. Bien. Oh, ben on ira là dans l'épisode prochain. Comète farceuse repérée. Eh ben on va les enchaîner, sachant qu'il y a 4 épisodes cette semaine. Donc en comptant celui-là. Donc écoutez, ça va nous permettre d'enchaîner un petit peu les comètes farceuses. Putain, 46-46. On dirait que c'est un numéro surtaxé, vous voyez. Appelez au 46-46. Numéro surtaxé. Tac. Ah, super. Allez, allez, allez. Merci. Alors. Merci. Bon bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah du coup, dans l'épisode prochain, on ira dans ce culot mystère faire notre comète farceuse, les amis. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup numéro 55. Et on se dit à l'épisode 56 qui arrivera normalement d'ici demain pour vous à 16h. D'ici là, bah du coup, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.